l'école, c'est fermé. Comment ça, il n'y a pas école? Allô? Il faut me le prendre là. Ah non, 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 je reste pas trois mois de plus en confinement. Non, non, je reste ici, tu vas à l'école. Ah non, je m'en fous, moi. Ah. Salut à toi, c'est Mister Jim et bienvenue sur ma chaîne vidéo. Que tu te dis, tu en as marre, 6 mois de confinement, il était temps qu'on les remette à l'école. Ah, bon débarras, tu l'as compris, je vais te parler aujourd'hui de la rentrée des classes. Et plus précisément, je vais te donner 5 erreurs à éviter lors de la rentrée des classes. Conseil numéro 1, le coucher. On te dit, il faut coucher les enfants tôt. 20h, pourquoi faire? Et pourquoi pas 16h, tant que tu y es. Allez, Johan, au dodo. Mais papa, j'ai pas encore goûté. Ah bah c'est pas grave, demain tu feras 2 goûters, hein? Allez, bonne nuit. En conseil numéro 2, je vais te parler du cartable. Parce que là aussi, il faut arrêter les conneries. Et pour ce faire, j'ai demandé à un éminent spécialiste de nous conseiller quel est le bon niveau de remplissage du cartable. Et on retrouve tout de suite le professeur qui sniffe tout en un seul. Oui, c'est moi. Mince pour les stylos, 4 couleurs pour cette bande de feignasses. Parce que 4 stylos de la même couleur, ça sert à rien. Ils savent pas écrire. Vu la manière dont ils écrivent leur SMS, pas besoin de cahier ni de classeur. Je pense donc à leur donner des post-it pour les profs. Même combat, les feignants, toute l'année, vu le moment où ils sont présents de toute manière. Oh, c'était facile. Alors, important, dans un sac à préparer, la collation. Pas de brioche, pas de croissant et pas de Kellogg's. Pour moi, ça sera des pâtes, tout simplement. Voilà, comme ça, au moins, ils dégustent ça. À la récré, ils sont contents. Et bien sûr, si c'est un peu sec, le souci, moi, j'ai la solution pour eux. Ah, oh, c'est nickel, un bon rosé là, des Alpes là. Merci professeur, on a compris, il y a aussi des parents qui regardent mes vidéos. Enfin, je crois. Mon conseil numéro 3 concernera la tenue des enfants lors de cette rentrée scolaire. Tous les ans, tu t'appliques à leur donner une tenue, à les faire beau gosse le jour de la rentrée. Et le soir, ils rentrent comment? Ils rentrent dégueulasse. On dirait qu'ils ont fait la Spartan Race. Et après, tu crois que c'est qui va nettoyer? Hein? Tu crois que c'est moi? Ben, t'as raison, c'est pas moi, je sais pas comment ça marche. Mon quatrième conseil, ça sera pour toi, cher parent. Fais-toi discret le jour de la rentrée. Ouais, vas-y mon fils, tu es le meilleur, vas-y, bouillave les toutes là, tu vas voir là, si tu es comme ton père, tu vas faire plein. Je rigole, Simon, ne t'énerve pas. Ouais, c'est mon fils, qu'est-ce qu'il y a, je te frappe pas, toi, tu veux que je te frappe. En attendant, ce que tu peux faire pour être moins con et être moins voyant, c'est essayer d'être sociable, tu vois, de t'insérer au groupe de parents, histoire de nouer quelques contacts. Oh chérie, au revoir mon chérie, tu fais même bien maman encore. Encore bien maman, allez, encore bien maman. Mon dieu, mais c'est quoi cette tenue? Les parents, ils ont pas honte. Franchement. Oh, les amis, ils vont tellement grand, on dirait Mimi Mathilde dans la pauvre. C'est votre fille? Ah. Ah ben en même temps, je comprends. Elle laissé tomber quand même, hein, la pauvre. Vous allez faire la honte, là. C'est la honte. Mon cinquième conseil, arrêtez de vous agglutiner devant le portail de l'école quand vous allez chercher vos gosses le soir. On dirait des groupies à la sortie de ma dernière vidéo. Tu as compris le coup? Après, je te fais signer les autographes sur... tout à l'heure. En plus, sans masque, sans distanciation. Je vais pas prendre ton gamin, hein, t'inquiète pas. Hein. De toute façon, ne t'affole pas, la rentrée des classes, c'est l'affaire de quelques jours. La semaine prochaine, les gamins vont commencer à se coucher à pas d'heure avec leur téléphone, à sécher les cours et à te ramener des bulletins dégueulasses. Donc ne te prends pas le chou. Voilà, sur ce, les conseils sont terminés. J'en ai un dernier à te donner. N'oublie pas de t'abonner, de liker et surtout de me laisser un commentaire. Dis-moi ce que tu en penses de mes vidéos. En attendant, je te fais une bise. Je te dis à la semaine prochaine. La bise. Ciao.